Merci pour l'invitation. Rappé, t'inquiète, je fais ça fort. Souvent accusé à tort, j'ai fini menotté devant ma porte. Hey, un avenir, un ballon, un contrat. Hey. J'ai rien à envier. Ton équipe, elle vaut pas un euro. La mienne est meilleure sur le papier. Les gens qui se font débarrer. On est dans le quartier, éparpillé. Boule au ventre, les yeux écarquillés. Trop de comptes des secteurs quadrillés. Le temps s'écoule dans le sablier. Je suis Kabob, artiste originaire du 91. Alors, à mon actif, j'ai déjà 4 projets qui sont sortis sur toutes les plateformes de streaming. Ma carrière volume 1, 2, Dystopie et le dernier qui est sorti là le 5 novembre qui se nomme Utopie, avec ainsi que dans mon actif. Moi, j'ai commencé le rap à partir du collège, je crois, début 6e. C'est là que j'ai commencé, mais plus sérieusement, quand j'ai monté ma structure avec mes gars à 720 Corp, dès que j'ai sorti mon premier projet, tout simplement, ma carrière volume 1. Donc à partir de ce moment-là, c'est là qu'on peut dire que j'ai commencé ma carrière de rappeur. Et on va dire que ça a commencé sérieusement il y a 3-4 ans. Mais je rappe depuis un bon moment déjà, mais plus sérieusement, il y a 4 ans, on va dire. Mes influences musicales, elles proviennent de Greeny déjà, principalement. Les premiers artistes que j'ai écoutés, moi, c'est La Comera, LMC Click et tout ce qui suit, Equinox, Mosda. Et pour les artistes, on va dire, qui sont connus sur la grosse scène, c'est Rof qui m'a le plus influencé. En ce moment, j'écoute beaucoup de sons afro. On va dire Burna, Runtown. Dernier son que j'ai écouté qui m'a marqué, j'ai bien aimé le dernier son de Niska et toute leur bande, là, Madran, Briguet et tout là. C'était moi le truc, ça c'est un son que j'ai bien apprécié. S'il y a bien un feat que j'aimerais faire à l'instant T, ce sera avec un artiste africain, je sais pas de quelle origine, c'est Runtown. Je sais pas si tu connais. J'aimerais bien faire un feat avec lui. C'est le mood. Je suis dans ce mood-là en ce moment, donc ce serait lui. Je suis quelqu'un de simple. Je suis quelqu'un d'assez normal. Hein. Je sors pas de l'ordinaire, on va dire. Je suis quelqu'un de normal. Je vais aux toilettes comme tout le monde. Je sais pas si c'est une punchline, mais c'est une phrase qui résume bien, si tu veux, ma mentalité, même la mentalité d'aujourd'hui, c'est on fait le mal, on fait le bien, souvent on se perd entre les deux. Ça, c'est la phrase que j'affectionne plus particulièrement parce qu'elle résume pas mal de vérités qui se passent en ce moment. Alors Utopie, c'est un EP qui est dans la continuité de l'EP précédent qui se nomme justement Dystopie. Alors Utopie va à l'encontre de Dystopie parce que Dystopie, on va dire que c'est plus un mood qui est mélancolique sur des instruments avec pas mal de piano, on va dire. Et je raconte un petit peu ma vie dans Dystopie avec, on va dire, de la tristesse, pas trop, pas faire non plus mettre les gens dans la dépression, mais c'est plus ce mood-là dans Dystopie. Et Utopie, ça va venir contrecarrer Dystopie avec un projet de 6 titres aussi, c'est un EP, mais avec plus de gaieté, de joie, de bonne humeur, tu sais, ça danse, il y a de la bonne vibes, etc. Donc, c'est deux projets qui sont bien distincts, mais qui sont aussi, on va dire, qui se marient bien. Et la suite logique des choses, c'est de faire préparer ma carrière volume 3 à la suite des deux EP, mais faire un bon mélange des deux, tu vois. Avec la mélancolie, mais bien racontée. Pas dans le mood, on va dire, dépressif ou coquesse. Donc ça va pouvoir être des sons qui sont, on va dire, mélancoliques mais joyeux. Tu vas pouvoir aussi t'ambiancer dessus, tu vois. Comme un peu il le fait Stromae, je suis pas à son niveau, mais dans l'idée c'est ça, tu vois. Donc voilà un peu pour Utopie. Et il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allez streamer. Je l'ai préparé. En fait, Dystopie, c'est des sons que je devais mettre dans ma carrière volume 3, mais après mûre réflexion avec moi et mon équipe, on a décidé d'en faire un EP parce que les titres se ressemblaient et ça nous est quand même une ligne directrice. Par contre, pour Utopie, j'ai d'abord commencé par faire des maquettes à la balance. Je me cherchais d'un point de vue musical et c'était notre méthode de travail parce que j'ai beaucoup top-liné. Alors qu'avant, j'étais plus dans un mood où j'écoutais une instru, j'écrivais, alors que là, je partais directement à l'instinct. Il y avait une instru qui me plaisait, j'entrais en cabine, je faisais des top lines directement et j'écrivais par-dessus. Et Utopie, c'est comme ça que je l'ai fait. C'était, je crois, plus de 50 maquettes pour un final de 6 titres. Donc voilà comment j'ai travaillé l'EP. Moi, c'est Makairi partout. Makairi, que ce soit sur Twitter, Snapchat, Instagram, voire même Facebook. Sinon, pour la chaîne YouTube, ça va être 720 Corp, le label dans lequel je suis.
Mot de la fin, déjà merci de m'avoir invité. Franchement, ça fait super plaisir. Moi, ça me permet de faire de la promotion sur mon dernier EP qui est sorti. Et Utopie est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allez streamer, n'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux sociaux. Et la suite, elle arrive très très prochainement. Mais t'inquiète, je fais ça fort. Souvent accusé à tort, j'ai fini menotté devant ma porte. Hey, un avenir, un ballon, un contrat. Hey. J'ai rien à envier. Ton équipe, elle vaut pas un euro. La mienne est meilleure sur le papier. Les gens qui se font des barres. On est dans le quartier, éparpillé. Boule au ventre, les yeux écarquillés. Trop de comptes des secteurs quadrillés. Le temps s'écoule dans le sablier. Je suis le même, j'ai